Bonjour à tous, bienvenue sur OTP pour une nouvelle journée de LEC. Conclusion de cette première semaine du Spring Split 2024 du LEC. On est ravis de vous retrouver en ce beau lundi après-midi pour discuter des matchs à venir. Bien sûr, il y a plein de choses à dire. On vous a préparé un petit dossier également spécial sur la mort en LEC. Voilà, dit comme ça, ça semble pas réjouissant, mais sachez que ça devrait quand même être très très drôle. Et donc, pour m'accompagner dans ce pré-show, bien sûr, j'ai John McCain du Texas, donc à ma droite. Ça va, Tréton ? Non, mais c'est tes lunettes de Texan. Je n'ai absolument pas le look de Texan. Il a pas un petit look de Texan ? Ah, les lunettes. Moi j'aurais dit look aléatoire, mais. Bah, aléatoire, tu dois saturer, je pense. Non, mais en vrai. Genre un Texan qui porte des. Mais non, mais pas tes autres lunettes sont mieux. Tes autres lunettes sont je mieux. Parce que je les ai paumées en fait. Ah, encore du coup, tu mets tes lunettes. Oui, je trouve plus. Gucci, c'est ça? Ouais, que j'ai acheté à l'aéroport. Oh, tu t'es pris. Ok. Ah, bah je pense qu'il a perdu les autres et c'est pas pour. Ah non, j'ai vraiment pris les autres. Ah oui. Alors, Maxime Biaggi qui dit il est sous 4 grammes. Est-ce que tu peux nous prouver que t'es pas sous 4 grammes? Non, je suis vraiment. Waouh, la light, sa mère. Non, mais moi ça va. Hein. J'ai pris zéro alcool et tout, zéro produit stupéfiant. Juste, j'ai joué en solo queue avec des masters, donc ça c'était terrible. Donc tu as été stupéfait par les masters. Alors là, oui. Hein. Avec, je suis plus hardstuck. Hein. Avec des masters, mais tu es. Je suis master et je suis hardstuck, on peut le dire. Après, moi j'ai passé la semaine 1 de l'Open Tour. Et même le Day One. Je joue en autofill et je chill les gars. J'en ai rien à foutre, tu l'as pas passé quand même, donc me parle pas. Je joue autofill. Bah, tu fais un open tour en jungle. Moi je le fais en mid lane, moi. Vous gagnez pas une game. Non, mid lane, je gagne. Bref, on s'en fout. Ça va, Robalas? Bah ouais, ah, ça moi, va. Moi on s'en fout pas, moi j'adore vos discussions open tour, messieurs, parce que c'est vrai que bah, vous avez passé votre week-end à faire ça quand même. Petit résumé rapidos du coup. Un par un. Vendez vos performances à l'audience. Je fais l'open tour autofill en jungle avec un groupe de viewers. Des cafards. Bah, littéralement, oui, des cafards. Le nom de mon équipe, c'est Robbie et les cafards. En référence aux des viewers. Oui, oui. Et en gros, on était pas forcément trop mal. Et puis il y a une game, mon top. Ce n'est pas une vanne. Hein. Il mon top est mort une fois. Il s'est full mute sur le vocal. Genre, il a fait 0. 7-0 et on a gagné la game parce que j'avais way et j'ai fait genre 15-2 et on a gagné quand même. Et bilan du coup? Bilan 2-4. Pas qualifié pour le deuxième jour, du coup hier bah j'ai chill. Ok, très bien. Et Tréton, alors bilan de ce premier terrible, week-end d'Open Tour? Première journée, ça se passe bien, 5 wins, une défaite, on passe en D2 confiant et tout, on a mis beaucoup de 20 minutes, on est là, on est tranquille. D2, on est là 2-0, tout se passe bien. Puis on tombe contre Infamous solo queue. Ils ont tout pris à l'équipe. On perd 4 games d'affilée. XGL, hein, pour ceux qui n'ont pas la rêve, du coup. C'est les Godzilla, Roi Démon et tout. Enfin, les. Bref. Ils sont un peu trop costauds pour l'open tour, non? Bah ouais, mais juste, ils sont. Enfin, tu sais, leur piquet. Enfin, je me fais. Première game, les mecs piquent Taric. Et juste. On fight et ulti Taric on. En vrai, le niveau est élevé. Parce que le niveau de l'open tour est pas mal. Infamous, je pense que le moment où nous, on était chez Pixel et on jouait contre eux, c'était. Je pense que le niveau était plus faible en open tour. Non, mais le niveau est très très élevé. Mais du coup, on est passé quand même avec 2, donc c'est bon. Ok. Bon, donc voilà, mesdames et messieurs, petite mise au point. Si vous avez suivi le LEC, la LCK au lieu du MNT ce week-end, vous savez où en sont Robebou et Tréton. Donc, on va maintenant revenir sur les matchs de la journée d'hier en LEC. Voilà, passons un peu au plat de résistance. Vitality BDS. Vitality confirme son bon état de forme. Oui. Tréton et BDS chute. Dans ce match. Ouais, j'ai beaucoup beaucoup aimé les performances de la botlane de Vitality. Je trouve qu'ils sont vraiment très très bien joués. Le fameux Fasting Senna ce coup-ci qui est bien réalisé avec un Yisang qui n'est pas mort de la game et qui a vraiment su trouver des belles opportunités. Et un Photon aussi qui a été particulièrement bon. J'ai malheureusement été moins impressionné par la performance de VTO et Nuke qui était. Je ne les ai pas trouvés exceptionnels. Ouais, je les attends plus fort. La Milan n'est pas l'endroit où les choses se sont vraiment passées hier entre les deux équipes. C'est vrai, en tout cas, Vitality en gros début et 0-2 pour l'instant du côté de BDS. Le match de la semaine. Rogue Heretics, l'air de rien, Heretics sont quand même pas mal déroulés. Et après, la composition en face, je ne sais pas si tu veux y revenir, je sais, parce que je suis au cœur. Moi, je déteste Ziggs. Ziggs, first pick, enfin first rota, avec un Nautilus. Pour jouer Tristan, en vrai, la compo Rogue est à mes yeux criminelle.
Ouais, ça s'entend. Ça s'entend. Par contre, la très bonne compo, je crois que c'est celle de la KC, parce que je pense que Rayon Sol est un peu hidden OP. Je pense que Zeri est très bien. Brom était bien drafté ici avec ses Johnny, il n'y avait pas trop de soucis. Mais juste, ils ont moins bien pris les teamfights alors qu'ils étaient en train de comeback un early game qui était difficile. Des petites erreurs qui ont fait que Fnatic a pris un petit lead. Ils avaient comeback et malheureusement, sur ce play là où Saken n'est pas forcément dans une bonne position au début du fight, où le fight est pas pris de la meilleure des manières, la KC juste perd la game. Alors que je pense qu'il y avait vraiment mieux à faire en termes de scaling. Ouais, ils avaient un bon scaling. Je pense que si la game durait un peu, il y avait des choses à faire. Ouais, mais bon, Fnatic, on l'a vu aussi, très bon en teamfight. Ouais. Très très bon en teamfight, et c'est ce qu'on attend de cette équipe et de ces joueurs, je pense. Giantix contre SK Gaming. SK qui déroule un très bon Irrelevant sur son Renekton, et Giantix qui prend la sauce dans ce début de split. Ouais, puis Exaki qui se rattrape un petit peu de sa première game qui était un peu douteuse. Là, avec Varus, on a très bien fait le boulot. Les SK étaient tout simplement plus forts que Giantix, qui est une équipe paillasson. Et le match G2, messieurs, bien sûr, le retour du match en ces deux équipes après la grande finale du Winter Split. Et les G2 ont quand même bien dominé les débats dans l'ensemble. Un Mikis très bon sur son milieu. Milio et Kog'Maw, bien dégueu en termes de range. Le pire, c'est qu'ils ont gagné, genre, dès le début de la game. Il y a eu un cancel de combo Alistar sur un move bot. Oui. Et ils ont, genre, dérouler la game. En même temps, Milio est un bon pick contre Alistar, surtout quand il est très bien joué par Mikix. J'imagine que de prendre du scanning comme ça contre Smolder, c'est pas si mauvais, sachant qu'en early game, Smolder peut vraiment rien faire contre Kog'Maw en vérité. Je vois mal comment tu peux trade. Mais bref, Fnatic, G2 et Vitality qui démarrent très très bien leur split. Effectivement, et dans les équipes qui n'ont toujours pas gagné, ben on retrouve. Alors la surprise, bien sûr, c'est. Ben, la BDS, surprise, c'est de voir BDS. Bon, ils jouaient G2 en première journée. Et hier, ils tombent face à de bons Vitality. Donc pour BDS, il va falloir rapidement redresser la barre. On rappelle, bien sûr, le format du LEC pour la première partie. C'est 3 semaines de BO1, 3 journées par jour, 9 matchs à jouer. Et le bottom 2 est out pour les playoffs qui vont suivre. Donc côté BDS, bon, bien sûr, début pas évident. Il y a encore des matchs à jouer, mais il va falloir commencer à redresser la barre. Après, je ne suis pas forcément trop inquiet pour BDS, parce qu'il y a déjà à mes yeux, un bas de tableau qui se dessine, et je pense que c'est difficile d'être dans le bottom 2 pour avec BDS. Rogue et Giantix, peut-être que effectivement, ces deux équipes vont remplir toutes leurs promesses dans ce Spring Split. Pourquoi vous rigolez? Non, mais t'es un bâtard. Bah non, mais leur promesse, ouais. Non, mais il y a eu très peu d'évolution. Après, bon, c'est que les deux premières games, il y a Zoélis et tout. Oui, c'est sûr. Moi, je ne peux pas souhaiter de mal à Zoélis. Après, ouais, non, c'est triste. Hein. Bah ouais, non, force à ces équipes-là. Mais en plus, elles sont un peu vite, ouais. Donc voilà, mesdames et messieurs, pour le résumé de la journée d'hier et pour le contexte avant d'entamer cette dernière journée de la première semaine du Spring Split du LEC. On va rapidement parler méta jungle, puisqu'on voit une tendance se dessiner en Europe et qui m'a pas mal surpris, puisque c'est un champion auquel je pense jamais dans les drafts. Mais messieurs, c'est les tendances au niveau des picks. Donc ça, c'est les picks les plus plébiscités. Et on voit une Sejuani notamment qui ne fonctionne pas du tout. Stat en ligue majeure avec Sejuani. Alors pourquoi on vous montre Sejuani? Parce que le champion est le pick le plus choisi dans la jungle actuellement en LEC, et c'est un pic qui a un très très mauvais win rate. J'en veux pour fact, c'est génial. On n'a jamais eu un win rate positif en Ligue majeure cette année. C'est ce qu'on vous montrait avec le graphe précédent. Juste, c'est Juani perd tout le temps, a tout le temps un win rate négatif en général. Ça ressemble un peu à un pic par défaut, souvent, même si parfois c'est drafté avec des Renekton, des Jax, mais on a quand même le sentiment que le champion ne fonctionne pas. Pourtant, ça tank. Ça, c'est censé faire son taf en early game. Qu'est-ce qui fonctionne pas avec Sejuani, messieurs? Peut-être les duos mid-jungle sont pas les meilleurs, je pense, pour Sejuani actuellement. Il y a relativement peu de mêlée sur la mid lane. C'est un peu un Maokai du pauvre, quelque part, je pense, Sejuani. Après, pourtant, jouer Night Vow first comme le font Rael, etc., c'est censé être OK tiers. J'avoue que c'est surprenant qu'il y ait un rate aussi mauvais sur le champion. Ça, c'est cette semaine. Ah, 6 games. Après, c'est, je pense qu'il y a beaucoup par rapport de... à Rael, c'est pas un flex aussi, donc ça embête en draft. Il y a ça aussi, il n'y a pas le flex. Après, je pense que c'est juste moins fort que les trois autres picks. Hein. C'est Juani, ça me paraît vraiment plus faible que les trois. Que soit de... Après, dans les 1v1, je pense que le perso peut faire des trucs. Dans les 2v2, c'est bien avec le top side. Mais est-ce que c'est vraiment ton top side qui gagne les games actuellement? Parce que souvent, c'est Juani, c'est draft genre avec Renekton, ce genre de choses. Et tu vas mettre quoi? Un gank top? Des fois, tu n'arrives même pas à le mettre. Et au final, tu te retrouves avec un pick qui est un peu vide quand tu vois ce que peuvent faire les trois autres.
L'absence de beaucoup de mêlées mid, de notre point de vue, qui. Il n'y a aucun. Ça embête un peu. Ouais. Même aucun mêlée mid hein, jouable. Enfin, bah, Sylas, Fionnet et tout, Akali, c'est dur, quoi. Bah, tu peux les jouer, mais oui. C'est super. Irelia n'existe plus. Scénario particulier, quoi. Bah non, je pense que c'est juste c'est difficile avec la mid lane en général, parce que les équipes ne le jouent pas si bien que ça. Après, le champion n'est pas non plus nul, tu vois. C'est peut-être aussi un concours. Ah non, moi, quand je vois une game, ça tank en early, ça met ses CC. Il avait mis des devs qui étaient intéressants avec ses joignies à plusieurs reprises et tout. Ses joignies Brome, ça va être quand même solide, par exemple. Ses joignies Nautilus aussi. Juste peut-être un concours de circonstances. Et notamment Vi et Rell, qui, de mon point de vue, ne sont pas balanced. Ouais, Rell, parce que c'est un flex. Rell, le flex, et Vi, bah, c'est juste ciel éventré. Voilà. Oui, Rell. Et il y a Voli qui est bien plus fort que ce champion aussi, au passage. Enfin, oui, Voli. Qui est plus fort que, je pense, c'est Voli. Ok, ok. J'ai pas fait trop attention, c'était beaucoup ban pour le fait que ce soit. Voli, ouais. Voli, beaucoup ban en jungle. Ça, non, il y a Bibi qui l'a joué au top. Ouais. En jungle, ça n'a pas été joué tant que ça, parce que en jungle, c'est. Moi, je trouve que c'est très fort aussi. On va voir. Peut-être que Voli va monter en puissance justement dans les pics jungle et que Sejuani va un peu descendre. Mais en tout cas, après deux journées pour l'instant de BO1 en LEC, on a vraiment le sentiment que le champion Sejuani n'est pas très impressionnant. Donc, affaire à suivre, bien sûr, pour les matchs à venir, mesdames et messieurs. Voilà pour notre petit point méta. Et maintenant, je vous l'avais promis sur Twitter, on a un petit dossier sur Illisang, c'est mort, mythe, réalité, etc. Et on va se projeter vers les joueurs qui meurent le plus ou qui sont le plus morts dans l'histoire de l'Europe, messieurs. Donc voilà un petit segment léger, histoire de rigoler un coup. Petit fact pour commencer, mesdames et messieurs. Et c'est là-dessus qu'on va commencer les hostilités. Illisang, la game d'hier d'Illisang, était sa seule game de Nautilus sans mourir en carrière. Donc déjà, un fait, je pense, qui a beaucoup marqué les gens. Et au-delà de pas mourir, il a eu un impact de fou furieux. Illisang, il était absolument intuable avec sa Fasting Senna. Messieurs, mythe, réalité, les champions avec lesquels Illisang est le plus mort et le moins mort en moyenne, en carrière. Alors, le plus mort, ce Nautilus, du coup. Alors, le plus mort, les champions avec lesquels il faut aller au charbon. Ah oui, mais ça, après, c'est, ce sont en tant que support. Oui, mais c'est. Donc, rien de choquant. Non, c'est pas choquant. Après, c'est peut-être être un tout petit peu élevé, peut-être plus vers 4 ou 3, mais en vérité, que Nautilus, Léona, Rell, oui, en jouant ce championnat, tu meurs souvent. Tu pourrais ajouter du Alistar, par exemple. C'est pas du tout surprenant et c'est même totalement normal, j'ai envie de dire, pour Illisang. Et les champions avec lesquels il meurt le moins? Pas choqué non plus, Yumi, Zilan, Taric. Taric, c'est étonnant. Tu vois, ça aurait pu être aussi Rakan qui joue beaucoup. Ouais. Qui pour moi est un champion qui peut un peu moins mourir, même si des fois il faut y aller. Mais pourquoi pas Taric? Après, Taric, c'est un champion qui n'existe plus trop et qu'il a dû jouer il y a de cela quelques belles années. Ouais, après, je pense que le problème pour Rakan, pour Illisang, je pense que c'est un cas assez spécifique parce que parfois il joue sans flash. Le Exhaust Ignite, oui. Ouais. On s'en souvient. Ouais, voilà, on s'en souvient terrible. Et c'était pas arrivé qu'une seule fois. Il y a les stats sur Pyke aussi, peut-être, non? Il joue pas mal, le champion, il a pas mal pris en compétition. Alors là, on a vraiment le top 3 des deux, quoi. Ouais, plus de morts, moins de morts. Donc le reste, Spike, il est entre deux. Ouais, ça doit être entre deux. C'est plus normal pour les autres champions, tout simplement. On a également une comparaison intéressante à vous proposer avec Illisang, mesdames et messieurs. Avec sa game de 7, Illisang dépassait ainsi Tréton et sa performance d'Alistar lors du play-in des EUM 2019 contre Origen. 0-17, donc Illisang supérieur à Tréton. Après, Tréton, bro, tu sais que je l'ai revu en live parce que tout le monde m'a vanné pour mon Brome. Ouais. Pour moi, c'est ma pire game ever en compétitif, c'est celle-ci. Ah ouais? Genre, de très très long. Tu l'as regardé en live? Je l'ai regardé en live. Et par contre, aussi, j'étais contre des mecs. C'était des légendes du club. J'étais contre Zanzara avec Gragas. Ouais. Il y avait une Tristana aussi en face. Les mecs me baladaient, ils jouaient au ping-pong avec moi, la vache, je ne pouvais rien faire. Genre, vraiment, ils m'ont mis des folies. Il y avait un trash, je ne pouvais pas jouer, mais je l'ai regardé en plus récemment. Et oui, c'était ma pire game en compétitif, je l'admets. Donc, Illisang quand même a réussi à me battre à ce niveau-là, reste pas lui. Ouais. Mais toujours le meilleur split de Vitality B ever en LFL ici. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Pour l'instant, ça, c'est une stat qui est effrayante. Ça, mais... quand la LFL, c'était l'Open Tour actuel. Donc la LFL avec Comp, etc. Tous ces mecs-là qui sont après montant EC, les Dandan et tout, c'est vrai qu'ils étaient tous nuls. Ouais. Mm. Leader, etc. C'est vrai que c'était des randoms. Irid, c'était un random aussi. Tout. Ouais. Non, c'est vrai que c'était pas le même niveau. Non, c'est mais plus le niveau, l'Open Tour, il dose pas. Il y avait 3-4 types. J'avoue, tu doses pas. J'ai pas dosé exprès. Dose pas du tout. J'ai pas dosé exprès, mais le niveau, c'est pas la LFL actuelle. C'est vrai.
Alors, alors Bichente pour les joueurs. Ah oui, très bien, très bien. Alors messieurs, du coup, bon, Illistang, voilà, on a déjà un bon aperçu. Donc hier, game historique avec son Nautilus, première fois qu'il ne meurt pas en 33 games avec Nautilus. Nautilus qui est pourtant son champion avec le plus de morts en moyenne. Donc vraiment, l'exploit est là du côté de Illistang. Et donc on a voulu vérifier si Illistang était quand même dans l'histoire européenne le joueur qui mourrait le plus au poste de support, notamment parce qu'il a cette réputation. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous anticipez les choses? Je t'ai dit, moi, on en a parlé un petit peu avant, on saura être ça et tout. Moi, j'ai juste pensé à deux pseudos de l'Antiquité où je me dis qu'il peut-être il mourrait beaucoup. Okay. Et moi, j'ai pensé à Yellowstar et à Promiscue. Bah, on va voir. On va voir au poste de support, justement, quels sont les joueurs. Donc, j'avais en tête aussi Promiscue. Quels sont les joueurs qui ont été marquants? Donc Riddle, donc qui joue en 2014. Bon, que des joueurs qui ont beaucoup moins joué, Illistang bien sûr. Hein, limite qu'on connaît toujours, mais donc voilà, Illistang tout de même le poids de son ancienneté est extrêmement élevé, donc ça reste dans l'histoire 600 EU. Games. Bah, sur 600 games, c'est quand même très fort. Attends, mais comment en 600 games il a que 30 games de Nautilus? Mais Nautilus Support, c'est... Oui, il a joué plein de trucs. C'est quand même l'histoire. Ouais, mais même, genre... Ça veut dire, c'est son Moss Blade, c'est quoi? Ouais, mais je crois que c'est Rakan. Mais Nautilus Support, quand tu regardes, ça a quoi? Ça a 4 ans, tu vois. Et Illistang, ça a... Ouais, mais bon, quand même. Illistang, ça a quasiment 10 ans. Ouais, tu remontes à ULCS, donc c'est vraiment... Exactement. Donc c'est vraiment il y a longtemps, ouais, c'est logique. Brom 100 game, Rakan 80, Thresh 80. 100 game de Brom, ok. Ouais. Et le Brom d'Illistang. Et le Brom, il envoie ce Brom, hein. Il est agressif ce Brom. Hein. Et il est bon ce Brom, pour le coup. Je le trouve bon. Enfin, il y a eu des périodes où il était vraiment en fait, bon. En fait, je pense qu'il serait meilleur s'il n'avait pas appris le fast combo ZEQ. Tu sais, pour buffer ton... Ah oui. Ouais, ton Q sur le E. Ouais, pour... Alors, Bichente... point important alors parce que mesdames et messieurs derrière je vais m'amuser à faire deviner un peu à Roba et à Tréton quels ont été les joueurs qui sont le plus morts en moyenne par game dans l'histoire du LEC, parce que là on a vu au poste de support, donc Illistang est quand même tout en haut des standings, mais Illistang a-t-il des challengers dans l'histoire du LEC en termes de nombre de, enfin en moyenne de morts par game, parce qu'on va s'arrêter à ça étant donné qu'Illistang a beaucoup de games. Et donc Bichente, je voulais dire, on part plutôt de la fin plutôt que du début, non? Ok, très bien, très bien. Donc messieurs, à votre avis, donc là c'est du 20e au 15e, c'est ça? Ouais. Au 16e. Donc 20e au 16e, de votre point de vue, messieurs, qui pourrait figurer dans... Ah oui, c'est à ce point-là. Moi, je pensais que tu allais m'en faire deviner un ou deux ou trois. Ah non. C'est pour ça que tu voulais que je note des trucs. Je pensais qu'il allait faire deviner par rôle. C'est un fou furieux d'en faire deviner des 20. Donc que des supports ou autres? Non. Tout le monde. Là, je t'ai dit tout le monde. Là, on a vu les supports juste avant. Cap, c'est forcément un endroit, mais peut-être pas là, je sais pas. Peut-être plus. Mais Cap, c'est mort beaucoup. Est-ce que vous avez quelques noms? Pour moi, Adam a dû mourir beaucoup. Oh, bien vu. Adam doit avoir pas mal de morts par game, je pense. Caps aussi. Après, il gagne beaucoup. C'est en général ou c'est le plus de morts dans une game? Non, c'est en moyenne. En moyenne. Adam est forcément dans le top 20, je pense. Ouais, je suis d'accord. Alors, on peut passer le premier. Et on va voir quelques noms légendaires, messieurs, apparaître avec Ebi, Darien. 113, donc Darien, notamment, bien sûr, légende joueur russe du début de l'ère de League of Legends en Europe. Ok, c'est bon, 113, j'avoue que 113 et Ebi, on est un peu nul parce qu'on aurait plus à voir. Ouais, bah j'ai... Mais moi, pour la suite, j'en ai un. Moi, je pensais que c'était plus que ça, pour le coup, Ebi. Parce que j'allais le dire, genre, dans le top 5. Après, il a abusé de Cassanté. Hein. C'est vrai. Ouais, mais franchement, tu vois, Ebi, je pensais à une game de Sion. Et genre, vraiment, j'étais derrière mon PC, j'étais en mode, mais... Mais VTO doit avoir envie de... Je peux chialer, en fait. 15e à 11e. Alors, donnez-moi des mots. Du Bouipo, tu vois. Pour moi, il y a du Bouipo dans le tas. Je pense que Bouipo, il m'aurait beaucoup. Ouais. Promiscue, mais c'est plus tard, tu vois, pour moi. Bah, Promiscue, ouais. Adam, Promiscue. Bouipo, Yellowstar, Wadid. Wadid. Okay. Yellowstar. Ok, alors on va voir. Alors on va voir l'étape suivante. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc, Raze, le joueur qu'on a vu tout à l'heure, exécute. Illistang, 13e seulement de l'histoire européenne en termes de nombre de moyenne de mort, enfin en termes de moyenne de mort par game. Zlatan qui est juste devant Zanzara également, qui fait partie des élus, mais qui est Zanzara qui est seulement aux portes du top 10, messieurs. Attends, mais du coup le top 10, il y a zéro sup. C'est ça le piège, parce qu'on a vu les trucs des supports, donc c'est forcément autre que support. Bah c'est des jungles. C'est des top et des jungles, mais qui ont run down.
Bah, pour moi, mais bro, mais pour, en vrai, pour être autant mort. Après Adam, je suis peut-être délu, tu vois. Non mais Adam meurt beaucoup. Non mais Adam, moi je te backup. Moi je pense qu'Adam, Adam doit avoir pas mal de morts. Des jungles, après non, des jungles sont beaucoup morts. Du Gilius, Marex ou Gilius. Un Gilius qui est suggéré par. Un Gilius, j'aime beaucoup Gilius. J'avoue, à l'époque les teams rugby et tout là de Vita, c'était pas mal. Je pense pas qu'ils soient dedans, c'est impossible. Mais c'est forcément top et jungle. C'est forcément eux. Est-ce que vous avez un nom qui vous vient là avant qu'on passe? Moi je reste sur Bouipo. Moi Bouipo, j'y crois vraiment. Bah, Bouipo, si s'il y a pas Bouipo, je suis déçu. Gilius. Vas-y, c'est pas mal. Syncroft, c'est pas con, Marex. Ouais, chez BDS. Alors, Werlib. Werlib, messieurs, qui est quand même un joueur très connu. Leader Aranéae, le manager actuel de l'équipe des Hérétiques. On est trop nul. Riddle, donc, et Kirei également, qui se balade par là. Dit, ils sont pas dedans en fait. Mais non. Ils sont même pas dans le top 5. Hein, mais non. Mais qui c'est qui a Rundown? Cap, c'est impossible. Non, mais il y avait des lots à l'époque qu'on connaît même pas. Je pense qu'il y avait des équipes. Ah, mais des équipes là, tu vas retrouver des noms, genre vraiment. Toi, toi, tu jouais même pas l'OM. Ah oui, c'est ça, je peux pas les avoir. Il ouais. Y a pas des équipes qui ont fait genre des indices, des trucs dégueulasses. C'est le pseudo que je connais de l'époque. Non, non, mais d'y en avoir d'autres. Est-ce que. D'avoir des équipes qui ont Mac Rundown. Mais je me souviens plus des équipes. Alors, plus, mec, je me souviens des bonnes équipes. Alors, je peux vous dire un truc. Il me semble que tous les joueurs de ce top 5 sont inactifs actuellement, sauf un qui est d'actualité. Donc pas Adam. Après Gilius. Frère, mais c'est, on est trop. Ah, mais Gilius, il est plus actif. Bah non. Mais même, mais ce sera pas Gilius, ce sera des mecs de son époque. Ce sera des mecs de, parce que là, il a pris UL16, donc c'est des mecs de 2015 que personne connaît maintenant. Mais qui non. Étaient là et qui étaient bottom et qui se sont fait pisser dessus. Mais les équipes de l'époque. Nous, moi, je connais que les époques. Enfin, genre les bonnes alors, équipes. Quoi. Les mauvaises équipes. Attends, est-ce qu'il y a pas un genre même plus. Parce qu'Amso Fresh, il a joué une époque, non? Ouais. Il n'y a pas un petit Enzo Fresh. Non, il n'a pas joué en LCS Europe. Attends, il a coaché en LCS Europe. Il a coaché Freddy, tiens. Un Freddy qui meurt tout le temps. Là. Mais il avait moins de 3 de game dans tous les cas. Alors, messieurs, non, je vous propose de découvrir notre top 5 de moyenne de mort par game dans l'histoire du LEC. Donc, Fallen Lord, Airwax, Frédéric, Kotex et le leader all-time est beau. Oh, la stat de fou. Ouais, la stat a fait mal. La stat est terrifiante. La stat me terrifie. J'avoue que, mais tu sais que les autres, à part Air, bon, Forellon Lord, forcément, tout le monde connaît, 3K et Lowe Chopweb. Et ouais, mais les deux autres, c'est qui? Frédéric, c'est qui ce mec? Genre, Frédéric, qui le connaît? Genre, littéralement, qui le connaît? 55 games? Et c'est le prénom de mon voisin, frère, il a fait des games en ULC, j'étais pas au courant. Frédéric! Qui le connaît? Non, je sais même pas qui c'est Frédéric! Qui connaît ce mec? Mais je crois qu'il jouait, il devait jouer dans l'équipe de Giants et de XPP à l'époque, ça devait être un. Ah, Pépinero, ça devait être un. Tu sais, c'était l'époque des joueurs. Par contre, c'est terrible pour Beau, no joke. Bah, la stat a fait vraiment très 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 mal. Après, ah, je suis d'accord. En même temps, il a fait des splits, les splits récents de Beau avec le winter et le summer passé. Forcément, ça fait mal ces stats quoi. Ah oui. Même dans les deux games, il est généreux. Donc ouais. Après, des fois, il kill les gens en même temps, mais bon, il est très agressif, un peu trop. Donc voilà, mesdames et messieurs, pour ce petit segment, on espère que vous aurez rigolé, que ça vous aura fait, ça vous aura amusé bien sûr, de participer à tenter de deviner quels sont nos joueurs qui sont le plus morts dans l'histoire européenne. En vrai, quand tu prends les joueurs qui sont encore actifs, récents et tout, à part Beau, il y sent en soi, il est dans le débat, tu vois. Parce qu'il y a des mecs qui n'ont pas joué depuis genre 10 ans. Non, mais on a la confirmation que ce n'est pas un mythe et qu'Elissang meurt beaucoup. Oui, bien sûr. Ah, ça, c'est top 2 support all time. Messieurs, le planning du jour, on va terminer cette première semaine du Spring Split du LEC 2024 avec 5 rencontres comme d'habitude. Bien sûr, on commence par un Rogue BDS. Attention, BDS, pas le droit à l'erreur. SK Vitality, SK qui a fait une grosse rencontre hier, Vita qui semble en grande forme, donc c'est un match très intéressant, je pense. Gentix Mad, le match semble un poil déséquilibré, tout comme le Heretics, Fnatic, et enfin on terminera par un Karmine Corp contre G2 en fin de soirée. Et pour commencer, messieurs, on va vous parler rapidement de Vitality contre SK Gaming, puisque personnellement, c'est un match que j'attends beaucoup, notamment pour le match-up de la top lane, puisque hier, Photon fait un super match contre BDS, vraiment un rumble de feu, sans faire de jeu de mots trop facile. Et il a été absolument impressionnant, et son match-up contre Irrelevant, on l'attend vraiment beaucoup. Ouais, ça va être très intéressant comme tu le dis. Pour le coup, Photon fait, même le split précédent, etc. Bon, au-delà des mêmes qu'on avait avec Chips, il fait vraiment de très très bonnes games et très souvent lui est devant sur la top lane. En termes de phase zone, même de teamfight, il est souvent très bon. Irrelevant lui aussi a vraiment eu des très très bonnes parties.
C'est difficile de savoir qui va prendre les devants, même si j'ai tendance à trouver que les gens surcotent un tout petit peu Irrelevant. Bon, je pense pas tant que ça. En fait, en gros, quand il est très très bon, il est vraiment très fort, mais on a oublié qu'il y a des moments dans le Winter où il a vraiment pas très bien joué. Il y a quelques semaines où il a vraiment pas bien joué, de mon point de vue. Bah, de mon POV, tu vois, s'il avait été dans le All Team, ça m'aurait pas choqué, tu vois. Bah, moi je trouve qu'au top, c'est lui qui a le. Ah, en vrai, je pense, je suis d'accord avec toi sur le manque de. Je trouve que Mirwin a fait un meilleur split par exemple. Mirwin était vraiment très fort en Winter. Imo. Mais si en fait, je trouve qu'il a des meilleurs picks Irrelevant, tu vois. Après, il y a peut-être des moments où il est un peu en dessous, mais il a des meilleurs picks. Mon point de vue sur Irrelevant, c'est qu'il peut être très très fort, mais alors il a des meilleurs picks, mais le truc, c'est qu'il a pas beaucoup de picks, je trouve. Il y a Jax qui est très fort. Quand je dis meilleur pick, c'est pas champion. Meilleur pick, c'est genre. Dans les games, je trouve qu'il va proposer un niveau de jeu beaucoup plus élevé que ce qu'a pu faire Mirwin. Bibi, je pense que ça se vaut, tu vois, mais on va dire. Parmi les meilleurs joueurs qu'on a dans top lane, c'est des très bons prospects, c'est des joueurs qui peuvent dans 1-2 ans être meilleurs top lane de la ligue, voire déjà en summer. C'est pas impossible que Irrelevant tout photon soit dans cette discussion par rapport à ce qu'il nous montre depuis le Winter. Et on revoit quelques plays d'Irrelevant ici également après les plays de photon. Irrelevant qui a été très décisif hier avec son pick Renekton. Ah, les deux top laners ont fait une grosse game hier. Oui. Renekton, Rumble, deux champions très différents. Ils ont tous les deux des pool champ assez variés aussi. Et je pense sur la top lane, il y a quand même pas mal de trucs qui sont playable. À l'image de ce que nous a fait Mirwin, justement, on en parlait le split dernier. Donc ça va être intéressant, clairement. Voilà, pour quelques stats entre les deux joueurs, ça devrait être très 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 sympa. Sachant que Photon est quand même le top laner qui a le plus de soutien de son jungler, on voit en termes de jungle procs. Donc Irrelevant va peut-être devoir jouer à 1v2, on ne sait jamais. Ça a toujours été un petit peu le cas, parce qu'on se souvient quand même de l'année passée. Mais avec 18%, Beau, c'est beaucoup. Ouais, c'est vraiment beaucoup, et même Beau passait beaucoup sur la lane de Photon, c'est parce qu'on a confiance en lui tout simplement du côté de Vita, et a raison. Après, peut-être que c'est aussi un top qui arrive à mieux setup. C'est possible. Il y a ça aussi. Je pense que là, c'est un autre jungle. Le fait que ça soit encore la même chose que l'an dernier, entre guillemets, ça veut aussi dire possiblement qu'il se met dans des situations où il rend son laner killable ou diveable et qu'il le colle, quoi. Voilà. Bon, il y a plein de choses à dire sur SK Vitality, mais nous, le match-up qu'on attend le plus, c'est vraiment sur la top lane avec deux joueurs qui semblent très, très, très en forme actuellement dans leur collectif. Carmine Corp contre G2, c'est le dernier match de la semaine, mesdames et messieurs. On a voulu revenir sur l'affrontement de la mid lane, puisque, alors, il y a eu le match du Winter sur lequel on est revenu, ça c'était les éléments, avec un second qui s'était quand même bien débrouillé en phase de lane, qui avait reçu énormément de soutien de Beau. On voit 18% de jungle procs par rapport à Caps sur cette rencontre, mais défaite finalement pour les G2. Et sur ce début de split, second qui nous fait un bon début de split quand même, messieurs, on a vu son Redonstall hier qui a permis d'espérer du côté de la KC. Mais Caps, quelle phase actuelle, quelle année pour Caps. Non mais il est vraiment trop trop clutch sur probablement il a joué Harry et Nico sur les deux champions, il a été vraiment sublime, il a trouvé des fins, il trouvait des bisous avec Harry contre BDS qui était ridicule. Il est très 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 dur à battre. Maintenant il faut voir ça quand en termes de champion pool si il y a des possibilités. Moi je pense que Aurélien Sol c'est un bon pari. Ouais, puis Seiken, on le voit sur Wei, sur Aurélien Sol, donc l'absence d'Azir finalement ne l'empêche pas de faire des perfs corrects actuellement, et il faudra bien ça face à un cadre bien sûr qui est dans une très 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 grande forme, certains diraient une forme olympique, mec. voilà mesdames et messieurs pour ce pré-show, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, et le plat de résistance arrive bien sûr avec 5 BO1 en LEC. Bien sûr on commence par un BDS contre Rogue, défaite interdite pour les BDS. Il faut enfin lancer la machine dans ce split face à des Rogues qui semblent prenables et faiblards. On se rejoint tout de suite après l'introduction sur OTP. A tout de suite.
à tous, on est parti avec ce premier match qui arrive, troisième journée de la semaine pour ce LEC. Et petite entrée sympathique des BDS qui nous font la spéciale comme d'habitude. Roba, ça fait plaisir de les voir maintenir cet effort à chaque fois. Ouais, bah c'est le début du printemps, ça arrive bientôt là. Du coup, ils nous font une petite plage et tout. Non, en vrai, les BDS qui doivent. Je sais pas s'ils sont stressés ou pas, tu vois, mais tu sais que t'es contre une équipe qui est un peu plus faible. T'es en 0-2, tu dois prouver que t'es encore là, parce que ça reste une équipe qui a quand même beaucoup prouvé sur le split précédent. Donc il faut aller chercher cette victoire contre les Rogues. Et on a le droit à cette draft préparée il y a 24 heures. Ouais, la draft qui a été effectuée il y a 3 jours à peu près, ça fait plaisir. Du coup, les équipes ont pu scrim une vingtaine de games avec cette draft. C'est plutôt. En vrai, je sais pas, on sait exactement quand est-ce qu'ils la préparent à l'avance. Genre là, ils l'ont fait cet après-midi, non? Non, en vrai, c'est. non, c'est une quinzaine de minutes avant, 15-20 minutes, je crois, aux dernières nouvelles. Ouais, sur la game 2, ça c'est juste avant, mais la game 1, ils le font combien de temps avant? C'est vrai que c'est une bonne question pour la game 1. Même timing? Ouais. Ouais, c'est 20-30 minutes avant pour que ce soit fair pour tout le monde. Et on a un Aphelios qu'on n'a pas vu depuis un moment. Il y a eu pas mal de bans ADC ici. Il y en a eu 4 littéralement, bah, tous les ADC de la méta. Varus un petit peu en retrait, Zeri a entre guillemets pris sa place, Kalista pick, et du coup il reste Aphelios avec Talia qui n'a pas été first pick en blue side par les Rogues, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu ces derniers jours, et du coup c'est récupéré en red side par les BDS. Talia vraiment le flex du moment. Ouais, c'est très fort, mid jungle, le perso est vraiment 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 broken je trouve. Après ils ont quand même la Kalista de comp, Kalista Zoelis, enfin que Kalista Zoelis, comp Zoelis sur le papier. Moi c'est une botlane que j'attendais genre vraiment en haut de la ligue, tu vois. Ouais, clairement. Bah moi je suis vraiment déçu pour comp parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. Et même pour Zoelis. L'année pour l'instant, ouais, Zoelis avec son arrivée en LEC, mais pour l'instant ça ne se combine pas. Après il reste du temps, mais là ça commence déjà à faire peur quand on a vu les deux parties des Rogues malheureusement. Ouais, en tout cas, ça part sur du solide. Kalista, Renata, c'est strong. Ouais, Wade en mid lane. Surtout avec le fait que Azir soit disable, le pick a pris encore un petit peu plus de prio. Mais tu l'as dit, ils ont le flex, ils ont le counter pick bot lane avec le Blitzcrank. J'imagine que dans le match-up, ça doit les mettre assez bien. Blitzcrank, Aphelios, bot lane qu'on voit quasiment jamais, mais 4 bans ADC. On a été obligé d'aller creuser un peu dans les champions de pool. Souvent, c'est plus avec Thresh. Un petit Thresh Aphelios à l'ancienne, mais. Ouais, Thresh est. Malheureusement. C'était buff, mais. Malheureusement, en dehors de la faille actuellement, même s'il a été buff. Et Blitz, du coup, Blitz qu'on a pas encore vu, si je dis pas de bêtises, sur la reprise du Spring, mais qui devrait être très efficace contre les picks affichés en face. À la Brov qui avait été très bon sur Blitz, le split précédent aussi, un de ses champions référence au final, sur le split précédent, surtout en réponse à Milio. Mais Milio a un peu drop de la méta en botlane, donc on voit plus forcément trop le Blitz en réponse. On enlève la méta jungle du côté de chez BDS. Ouais, Jarvan, Goli. On l'avait vu. Tellement broken. Ouais, Day 1, on l'a vu jouer par les G2, c'était pas mal. Et le Jarvan qui a quand même reçu des buffs conséquents sur le Q-Spell, si je dis pas de bêtises. Et enfin, le champion, j'attends de le voir aujourd'hui, mais bon, faut qu'il y ait les scénarios de draft pour actuellement en jungle. Comme on l'a vu dans le pré-show, c'est vraiment les picks très standards. Ouais, bah après, ouais, je pense que Jarvan et Volibear, ça peut être un peu les picks du patch qui reviennent un peu sur le devant de la scène. Les deux picks sont assez forts, pas mal joués en solo Q. Et c'est supprimé, on enlève un peu le champion pool d'Adam. On a enlevé un Darius, probablement pour cover un blind K santé ou ce genre de choses, j'imagine. Et la Rel. Qu'on aurait pu récupérer pour Sheo. Ce sera un Maokai Duty pour le jungle BDS. On va laisser le counter pick à Adam, assez classique. Ouais, Maokai toujours très bien en place malgré tous les nerfs qu'il y a eu dessus. Son W et son ulti existent toujours, donc le pick existe toujours tout simplement. Bah, respect à Frick pour son passage Grand Master, ça fait plaisir pour lui avec son Maokai. Respect. GG à lui, effectivement. Petit Xin. Xin qu'on a eu deux fois sur la reprise du split qui fonctionne plus trop, honnêtement. Et un Gragas. Gragas qu'on voit beaucoup aussi, Gragas. Au top. Et on aura un counter pick pour Adam. On peut avoir un Renekton. Renekton que je trouve pas mal avec Talia. Un peu le Renekton Nidali de la nouvelle époque. Dans l'idée, tu peux aligner le combo sur le stun Renekton. C'est assez facile d'aller chercher les dives. Je trouve que le 2v2 est assez fort. Même le 3v3 du coup sur...
sur le top side. Si Nuke arrive à prendre un peu de prio. C'est vrai que les BDS ont une compo vraiment très bonne pour accélérer. Fin d'early, début de mid-game, il y a du Blitz, il y a du Renekton. Alors qu'en face, même s'il y a une Kalista, je pense que ça joue quand même un peu plus le scaling. Mais en tous les cas, c'est une compo Way avec un Gragas qui lui aussi a besoin de quelques items pour briller en fight. Bah ouais, en vrai c'est plus les BDS qui vont être à l'initiative, là où les Rogues ont plus une compo pour recevoir. Ulti Renata, garde circulaire, un ulti Gragas pour déplacer. Ouais, c'est très très bien en réception aussi. Tu peux adapter tes spells pour vraiment bien recevoir l'ulti qui va ralentir. Si on n'arrive pas sur la main engage pour les BDS à aller tomber les bonnes cibles en face, ça peut être compliqué. La draft des Rogues est respectable, je trouve. Ouais, clairement. En tout cas, on est parti. Première game de la journée. Les deux équipes qui ont besoin de se rassurer. Mais l'alarme est surtout du côté des Rogues. Parce que dans ce qu'on a vu dans le gameplay, c'est très inquiétant jusqu'à maintenant, malheureusement. Alors que les BDS, bon, faux départ. Mais ils devraient réussir à rectifier le tir. C'est quand même une équipe assez stable, très ouais. forte dans ce qu'ils ont montré durant le dernier split, malgré... Mais c'est vrai que... Finalement, les BDS sont dans une dynamique, bon après c'est juste une supposition, hein, mais qui fait un petit peu peur parce qu'il y avait eu le petit souci avec le swap en top lane avec Adam Jenax. Et là, l'équipe s'est retrouvée, commence sur un 0-2, c'est pas ouais. le meilleur point de départ. Ils n'ont pas forcément non plus les adversaires les plus faibles. Ils ont joué G2, donc. Je pense que la lose contre G2, c'est pas encore dramatique. Ouais, leur game était pas mauvaise contre les G2 en plus, c'était ok. Je pense qu'ils gagnent ce soir, c'est pas forcément le résultat attendu, mais ça reste une première semaine correcte et ils peuvent se rattraper sur les prochaines. Je pense que les victoires importantes, ça sera au vu de ce qu'on a vu les deux premiers jours, peut-être des victoires contre SK, Fnatic, enfin le milieu de pack. Et là, contre Rogue, bah, c'est censé être un peu tout droit. On tente une petite invade avec Compezo et Lys. Adam qui est forcé de start au E, du coup. Très intéressant ce qu'ont fait les Rogue ici. Invade à 5, mais en deux groupes. Adam qui va avoir le temps de back, ça va. Il était assez tôt sur le timing. Ils sont allés chercher des wards hein, de chaque côté. On a push des wards, on a une ward sur le red buff placée par les Rogue. Et de l'autre côté, par contre, Nuke a mis une très très bonne ward au niveau des Vrace. C'est littéralement la meilleure en early game. La ward deep au niveau des Vrace en early, ça te permet de savoir tout le passing du jungle adverse. Parce que même si tu le vois pas, tu peux savoir exactement où il est. La ward est juste trop forte, elle te permet de tout déduire tout simplement. Après, pas facile à mettre, mais forcément, ouais. Tu l'as dit avec l'invade à l'opposé, on sait qu'on peut se permettre. Après, ce qui m'étonne, c'est le grimoire sur son way. Il a pas pris genre ni Comet ni Aeri. Ok, un grimoire. Je suis un peu étonné. Ouais. First Strike à la rigueur, ça peut être une option que je peux comprendre, mais Grimoire c'est bizarre. Enfin, première fois que je vois ça, mais ok. Il y aura quand même les cleans qui ont été respectés des deux côtés au niveau des ADC. La clean sur comp pour le Maokai, on imagine. Maokai, peut-être même un stun Renekton pour pouvoir se repositionner et pas prendre le follow-up. Et en face, bah, pour l'ulti Renata. Ouais. Ce que j'aime bien avec le Kalista Renata, c'est que même s'ils prennent un grab, ils peuvent littéralement gagner le trade avec le revive. Le match-up est pas si mauvais que ça. Putain, la draft Rogue est pas trop bonne, hein, parce que comme tu l'as dit, les BDS doivent attaquer un minimum assez rapidement dans la partie. Et en face, il y a vraiment de quoi recevoir chez les Rogues avec une très belle assurance scaling grâce à Renata et à Way. Après, la draft Rogue est pas mauvaise. En vrai, leur draft, les Rogues jusqu'à maintenant, n'étaient pas mauvaises. Hein. C'est plus au niveau du gameplay et de l'exécution qu'ils ont eu beaucoup de mal. Je suis d'accord avec toi. Après, il y a quand même un petit avantage de range. Bon, il y a toujours Way en termes de range qui est correct. Mais si. Bah, déjà, il a un grimoire. Il va mettre du temps à faire des dégâts, je pense. Mais si BDS se commit pas trop, le Aphelios, ça peut être compliqué. Hein. Ils ont pas énorme de range. Si BDS se hard commit pas dans des ulti Renata et que tu te fais pas contrôler sur l'engage, sur certains timings d'armes, le Aphelios peut être un gros souci. Pas facile à aller chercher. On va voir, il y a des petites invades là du côté des Rogues. Vient prendre de l'information, drop des wards, on met de la pression. Forcément, on se sert de la prio bot. Ils ont un peu la prio sur les 3 lanes, les Rogues. On s'est même permis un petit back au top pour Finn qui a été. Faire un petit cheater recall avec une tire. Ouais.
En tout cas, ce Maokai qui est pas inquiété en early, ça peut être le petit défaut du champion parfois, surtout quand t'as des match-up type Sejuani, voire même Xin. Mais là, il a pu faire ses camps, il les a bien défendus, et c'est même Markoon qui a un petit peu de retard finalement, bien qu'il ait récupéré le crab botside. Ouais, bah il est venu drop de la... C'est une drop de la vision, mais on n'a pas réussi à récupérer un camp. Après, c'est vrai que Maokai est totalement vu. Botside des BDS est complètement wardé. J'imagine qu'il voulait cover un peu ce crash botside avec la vision top, enfin la vision bot, pardon. S'attendait à ce que le Maokai essaye peut-être de venir. Et ce sera pas le cas, il est parti à l'opposé. Et du coup, il a un base d'avance sur Markoon qui, lui, est en train de reclear quelques camps de jungle. Pour l'instant, une game très calme, hein. Ça se neutralise. Faudra attendre les ultimates pour que ça bouge. Il y a de quoi déclencher. Hein. Avec Renekton, tu vas vouloir forcer des fights topside, notamment sur les Grubs, Eral, tout ça plus tard. Il y a l'ultitalia de l'autre côté. Et bonne ward de Adam là, qui a spot le Xin. Sur son timing où il a été chercher un proxy entre les deux tours, il a drop une petite ward intéressante. Larsen qui va peut-être se faire bait par Nuke qui joue le fog. Il y a la brof qui est disponible, il a un flash, il y a Sheo aussi qui sera repéré par un trinket et ça va mettre fin à la tentative BDS. C'est bien, Larsen arrive à gagner un peu de temps, il est très légèrement devant en CS pendant que son jungle a pu se remettre bien. Mais Sheo qui a quand même une petite longueur d'avance maintenue sur la partie et qui commence les grubs. La brove, il va toucher un hook, mais attention, il y a Zoelis qui est là en counter. Il n'y a plus beaucoup de mana sur ce way. On va lâcher l'ignite, mais il n'y a plus de mana sur aucun des deux midlaners. Donc au final, c'était un peu un move. Larsen qui panique pas, il encaisse l'ignite. Il a consommé quand même sa potion, le triple tonic, ouais. La potion level 6, mm-hmm. qui lui permet d'avoir des stats bonus. Il a consommé ses cookies aussi, il me semble. Il me semble qu'il avait les cookies en rune. Mais il y aura pas grand chose. Juste, on a perdu l'ignite pour le Blitzcrank. Et on aura le classique trade Void Grubs pour Drake. Sheo qui en a fait qu'un seul. On voit de plus en plus les jungles faire qu'un seul Void Grubs. C'est celui qui donne le plus d'XP. Mm-hmm. Et du coup, derrière, il lâche le reste des Grubs pour repartir, clear leur jungle et trouver de la tempo. On aura quand même un trade avec un Drake qui est pas horrible pour les rogues. Ça veut déclencher quelque chose sur le bot side, il semblerait. Pour l'instant, tout est vu, tout est lu de chaque côté. Et là, ce que je viens de me dire en regardant les items du Renekton, c'est que pour un Renekton, il va vraiment avoir une itemisation de fou parce qu'il peut vraiment focus la RM. Xin ne pourra pas se permettre de focus le Renek. Et après, il reste seulement Kalista. Mais bon, contre Renata, Wei et Gragas, je pense que le Renek, s'il est légèrement devant avec de bons items AP, de bons items RM, pardon. Et la manière dont fonctionne son champion en mid-game, il y a moyen qu'il fasse des folies. Hein. Je pense qu'Adam peut vraiment faire la différence et vraiment être déterminant assez vite dans la game à un item, deux items. Petite tentative de hook. Après, n'est pas facile à aller chercher cette Kalista parce que c'est la cible de choix pour les BDS, mais à part un hook qui la ramènerait un peu en dehors de position, c'est difficile à aller chercher. Surtout qu'il y a le revive de Renata potentiel. Peut te faire déplacer par l'ulti Gragas. Pas forcément simple pour la Kalista de mourir en fight. Et je trouve que c'est pas si dur que ça pour elle de s'exprimer. Il y aura un champ de mine de Talia. Mais elle a quand même une bonne front lane. Après, pour l'instant, pas vraiment de kill, pas vraiment d'accélération sur la map. Et sur des scénarios assez even. Je pense que, comme tu l'as dit, hein, Renekton, en début de partie, ça sera toujours un petit peu plus fort qu'un Gragas qui va rush des items qui donnent des stats, mais pas vraiment de stats de combat, du mana, des HP, mais ouais. Pas énormément de force là où le Renekton va probablement aller chercher un gros first item et dans des débats au niveau du dragon ou même au niveau des prochains Void Grubs, ça pourrait faire la différence. Bon là, le petit trade au top. Le stuff des deux midlaners est vraiment à l'image de la game. Hein. Mercure tir en starter. Devrait pas se passer grand chose, quoique la brof qui retente en mid lane. Larsen qui ne tremble pas, sans problème. Bon, attention, ici quand même bon trade qui devrait être pris par Nuke. Mais encore une fois, c'est des lanes Mercure tir, donc jamais des gros trades, jamais vraiment de l'étal à aller chercher. C'est un early game très calme. Après Mercure pour Nuke. Pas tant de CC que ça, hein. Ouais. Je sais pas s'il était obligé. Il voulait peut-être aller chercher un peu de résistance magique pour le match-up, ouais, surtout il y a Gragas,
Il n'y a pas tant de CC que ça à réduire au final. Parce que le body slam, c'est quand même un stun, mais c'est pas très utile de réduire en vrai ça. Ça a duré. Oh, puis c'est, après, surtout c'est très léger. Il a les mines, tu vois. Ouais. Donc dans l'idée, il est jamais censé se faire body slam, bah ouais, à part sur un flash in. Mais ok. Après, c'est beaucoup de knock-up, hein, Xin, Kalista, mais. Ah, Mercure inutile contre ça. Adam, on peut un petit peu plus le comprendre dans le match-up Gragas en mêlée, ça peut être embêtant. Ouais. Ouais, ouais. Pas de soucis, il va chercher de la résistance magique pour son visage. Il y a aussi Renatin, il me semble que le Berserk s'est réduit par la tenacité, bon, c'est des détails quoi. Oui, oui. Enfin, je pense que c'était pas obligatoire sur l'Atalia, mais pourquoi pas, ça le rend plus safe. De toute façon, tu l'as dit, c'est une game lente, on veut jouer safe, on veut pas forcément donner les ressources. D'ailleurs, je viens de penser à un truc qui m'est bien, parce que là, tu vois, on a des nouveaux champions comme Smolder et tout qui font plutôt plaisir. Et c'est vrai que Riot a introduit récemment le CC, je crois que ça s'appelle Berserk sur Renata. Moi, j'ai hâte de voir le prochain champion qui aura ce CC. Je pense que le champion sera fine si on suit le cours des choses. Ouais, bon. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, mon avis sur Smolder, c'est. En vrai, là, il était ban dans cette game, mais c'est juste boring en fait. En compétitif, à regarder, je trouve que les games avec Smolder deviennent de plus en plus soporifiques. Si t'avais un mot pour. Qualifier Smolder, tu choisirais lequel? Sad. Tout simplement. Bah sad, trois lettres. Y a pas meilleur mot en fait. Ouais, sad. C'est vrai. C'est vrai que c'est relativement sad. On sait pas si on en verra un aujourd'hui. Hier, ça avait été laissé open par les G2, qui avaient bien répondu avec un Kog Milio. Et aujourd'hui, pas sûr qu'on voit ce champion. Vraiment, vraiment surpuissant. En tout cas, ça chill dans cette game. Ouais, bon, pas grave. Pas grand-chose, peut-être sur Shio qui est un peu tout seul quand même, il va être forcé de flash probablement. Et encore, on claque l'ignite, même pas de flash out. Shio qui on tient. Chill. En vrai, cette game est quand même très particulière parce qu'il y a quelques agressions, quelques barres de points de vie qui descendent, mais il n'y a même pas un flash out, donc ça veut dire qu'à chaque fois on est très très loin du kill. Je sais pas, les équipes veulent pas forcément prendre l'initiative. Je pense que c'est plus à l'avantage des rogues au niveau scaling, honnêtement, et encore un petit hook dans les mines, on va encore le ramener un peu plus loin. Marcon, elle ignite, n'a pas eu l'ulti. Pas de flash. D'accord. Il n'a ni flash ni ulti, il n'est pas mort. Mais c'est dingue, tous les moves se ressemblent en termes d'agression. Ok, bah. Les gars, si vous voulez pas jouer, c'est fine. Hein. Bah, respect aux joueurs pour leur sang-froid dans cette game. Il n'a pas flash, il a juste marché en dehors de la river avec ses 20 points de vie. En tout cas, Labrov qui essaye de presser là avec ses célérités. Oh, attention, Zoélis qui va prendre quelques dégâts, le grab okay, qui va toucher, mais est-ce qu'on peut vraiment follow up? Markun qui re-engage, il a son ulti cette fois-ci. Comp qui envoie l'ultimate, Zoélis qui no cup, et ça devrait être le premier kill qui sera récupéré par la Kalista. Très belle opération, mais attention avec ce pool de Drake parce que un dragon ça fait des dégâts, et à côté, Aphelios pourrait avoir quelques idées. Mais ça va, Markun se régène. Nuke peut mettre aussi un ulti potentiellement pour join. Aphelios en early c'est dur. Hein. Après, là le move des BDS, il y a quand même Nuke qui a raté son combo Talia. Qui a flash out, ils ont quand même hook, quand même ulti Maokai, alors que le Aphelios est en train de farm une wave au bot et la Kalista est devant eux. C'est vrai qu'on reconnaît pas trop les BDS qu'on avait par exemple au début ou au milieu du Winter sur ce move, je suis bien d'accord avec toi. Parce que là, encore s'ils avaient été Giantix, tu vois. Ouais. Enfin, sans flame, tu vois, à la limite, ok, mais c'est vrai que venant de BDS, voilà, je pense que c'est voulu, ils se voyaient disengage, mais on n'est pas sur la même longueur d'onde parce que Labrov, lui, décide de grab. C'est plus le grab de Labrov qui me surprend, alors que le Aphelios est littéralement sur la wave bot, comme tu l'as dit. Les BDS se sont perdus et donnés sur ce move, tout simplement. Ah, je pense qu'ils peuvent kill si le combo Talia est réussi et que derrière ils mettent hook, ulti blitz, et encore, je sais même pas s'ils l'avaient. Et il y avait l'ulti Maokai, les dégâts du Maokai, mais le Aphelios c'était pas là, donc peut-être un miscom, c'était un 3v4. Avec leurs items, ils sont très faiblards les BDS. Aphelios avec des composants d'items, ça fait pas grand chose. Une Talia start Mercure tir, pareil, et Maokai Nightvo également. Alors qu'en face, quand même, petite Kalista, petit Xin. Bah, puis y avait... sur le niveau 7, niveau 8, ça tente encore un petit passage au mid, il y aura ce hook. Ça ira pas vraiment plus loin avec les Mercures, on en a déjà parlé. Ah, surtout, il n'y avait pas l'Ignite de Labrov qui avait été claqué sur le Xin juste avant. Il manquait des petits CD. Et mine de rien, silencieusement, dans cette game, Rock sont les très grands gagnants parce qu'ils ont deux Drake. Ils ont deux Drake à 13 minutes. Ils peuvent jouer une soul à 21 à peu près, c'est propre. Hein. Ouais, bah, niveau scaling en plus, je pense que le Gragas a un peu plus de valeur que le Renekton. Il va avoir le Roi qui sera activé.
même si la Kalista, bon, elle a récupéré le kill. Donc avec le First Blood, ça lui donne quand même ce petit avantage dans la partie. Ils ont les Drakes, le contrôle des Drakes, c'est solide. Il y a quand même Steve Void Grubs pour les BDS qui peut être assez embêtant sur les timings de side lane, mais ouais. Ils ont pas. Enfin, tu vois, je pense pas que le Renekton va arriver à un stade où il peut juste ignorer le Gragas et taper la tour. Enfin, Gragas, ça dépush les waves. Ouais, Gragas est même connu pour tenir en side et full wave clear contre des Jax en late game, donc sans problème. Mais c'est vrai que tu fais bien de parler de ce match up top parce que on parle quand même d'un blue side blind pick Gragas qui a des items full scaling et qui est en train de scale gratuitement et de tenir parfaitement son match-up. Ouais, on va quand même tenter. Ce qui est dingue, quoi. C'est le sacrifié entre guillemets, mais il est dans une position de fou. 4v4 héros de la faille, les deux TP qui sont claqués. On a un ulti Maokai, ça va toucher sur Markun, on va peut-être essayer de se diriger vers lui, mais il y a encore la garde circulaire. Ça semble être un bon fight pour les BDS, déjà un petit premier kill, mais attention, le petit Renata, on enchaîne les CC pour les Rogues. Malgré les dégâts quand même de Aphelios qui sont convaincants, mais ce sera un fight remporté par les Rogues assez largement. On va être forcé de ulti out pour Nuke. Ah, les AOE qui ont régalé côté Rogue. Markun qui annonçait un fight extrêmement dur à opérer pour les Rogues, mais au final, on va revoir ce super combo à base de Way. Il a pas ulti Markun ? Non, il a même pas eu le temps d'ulti, c'est pour ça que c'était vraiment flopesque. Mais il s'est pris un énorme enchaînement de CC. Je pense qu'il aurait quand même pu. Garde circulaire sur le team Maokai. Larsen à go big sur ce fight. On va revoir ça en image parce que là, ça commence très mal. Regardez Markun qui n'a pas le temps d'ulti alors qu'il a quand même son hydre et ses 2000 HP. Après, je pense qu'il peut ult. Hein. Genre là, quand il voit l'équipe courir sur lui. Ouais, c'est. Et après, éventuellement, et là, le combo ulti Renata plus. Ouais, plus triple knock-up. À l'ulti Kalista. Ah, Zoelis fait un fight de zinzin. Hein. Ouais. L'ulti Renata et tout, le bump qu'il arrive à mettre avec l'ulti Kalista, c'est très solide. D'ailleurs, c'est free DPS. En plus, les ressources, bah, t'en as parlé. Sur Larsen et sur Comp, qui ont 4 de KP chacun, du coup, c'est tout bon pour les Rogues qui passent devant, qui récupèrent ce héros de la faille en plus. Mine de rien, par rapport aux performances récentes des Rogues, là, il faut quand même souligner qu'ils sont en train. Les mains dans les poches, d'avancer dans la game contre les BDS avec une très bonne draft. C'était vraiment pas ce qu'on aurait attendu de ce match. Enfin, qui aurait pu le voir? Non, de toute façon, au début du match, on annonçait potentiellement une semaine déjà en 1-2 pour les BDS en se rassurant. Mais la game est difficile. Hein. La game est difficile. En plus, les golds sont vraiment au bon endroit sur les carries. Alors bon, l'écart au gold n'est pas énorme non plus. Il y a toujours moyen de faire des choses pour les BDS. Ça passe peut-être par ce dragon qui sera le troisième potentiel pour les Rogues. On a l'air de vouloir contester. Il y a le Renekton qui fait le déplacement, qui est un tout petit peu avant le Gragas, qui est seulement dans la river top. Peut-être un petit hook de Labrov qui pourrait libérer le fight BDS. On est un peu split, hein. Le Gragas qui va mettre le héros de la faille au mid, ça va peut-être forcer les BDS à défendre. Et du coup, peut-être un dragon pour les Rogues derrière. À niveau item, c'est jouable éventuellement pour les BDS, mais là, plus le temps passe, plus les Rogues prennent le contrôle de la vision. Ça semble délicat parce que là, c'est normalement le timing où les BDS doivent dominer. Ils ont Maokai et Renekton dans ses premières escarmouches jungle, c'est censé être du solide. Pareil avec le Blitz, mais pour l'instant, les Rogues s'en sortent très très bien. Regardez ce Gragas avec 3000 HP qui risque de faire la différence ici. Il y va au contact, un kill de récupérer, les mains dans les poches pour les Rogues. Ça chill tout simplement. Bah, ça zone bien. Avec Larsen très bien placé sur son way. Ça joue très bien du côté Rogue. On met Zoelis en front lane en sachant que bah à un moment on va devoir hook pour la Brov. Il se fait instantanément ulti Kalista et c'est le Blitzcrank qui tombe. Derrière, ça sera un dragon. C'est très bien maîtrisé de la part des Rogue. 3 Drake qui sont à Soul Point. Ils ont mis le héros de la faille. Ça a mis les dégâts sur la tour Elmid. Encore des ressources sur la Kalista qui commence à s'envoler. Un complet de rien. 3-0-2. En fait, tous les carries sont bien set up. Hein. T'as Way qui a plus 600 qui a stacké son item. Le Gragas qui va bientôt avoir, enfin bientôt, il y a encore quelques minutes, mais stacker son roi, avoir le Séraphin aussi. Tout le monde est bien setup, leur draft ce qui est très très bien, sera très forte à 5 avec Renata. Et les BDS qui n'arrivent pas à activer leurs éléments de mid-game, que ce soit ces grabs avec ce Renekton. C'est que le pick Blitzcrank, il est pas facile, hein. Il est pas facile à jouer dans cette compo, tu veux aller chercher peut-être le Way. Il n'y a pas vraiment de très bonne cible. Peut-être le Gragas plus tard qui peut se faire
Ah, t'es découpé avec le stun Renekton. C'est vrai que ça a beaucoup d'HP Gragas, mais ça peut se faire one tap. Surtout que le Blitz, il attrape quelqu'un et que Nuke follow up son combo. Ouais, c'est ça, mais c'est cuit pour celui qui s'est fait attraper. Le reste est dur. La Renata, elle va se faire ulti Kalista. Il y a la garde circulaire sur le Xin. Voilà, le seul danger vraiment pour les Rogues, c'est Larsen s'il se fait attraper. Mais jusqu'à maintenant, il a été très bon dans la résistance. Parce que là, la Kalista, maintenant, elle est vraiment bien entourée. T'as toujours la chance double avec Renata, qui est super forte quand t'es devant, parce que t'arrives en général à prendre ton reset. Tu peux te permettre beaucoup de choses, surtout quand tu t'appelles comp et que tu joues Kalista. Parce que sur un bon jour, quand ça se passe bien dans l'équipe, comp, il clique, quoi. Oui, mais puis c'est une référence. Et il y a la cover en permanence de Markkun. Ouais, c'est difficile. La compo BDS, la Brov qui se fait un petit peu intercepter. On n'arrivera pas à aller chercher beaucoup plus loin, mais ça marque déjà la fin des débats sur ce topside. Hein. La Brov est midlife. Si on tente des hooks et qu'on va un petit peu trop loin, il va directement se faire récupérer. 3 minutes. Et Zoïli se joue bien de l'avant. Hein. Il sait qu'il a cette sécurité de l'ulti Kalista. On va tenter de récupérer un petit peu sur la mid lane. Pour les BDS, on a vu beaucoup de monde sur le top side, donc on va peut-être récupérer cette T1. Ça va ouvrir la map, ça donnera peut-être plus de possibilités à Blitzcrank et les follow-up, parce que de toute façon, leur compo passe quasiment que par ça. Un ou Blitzcrank qui sera follow-up par Stun Renekton ou combo de Talia. Mais c'est dur, ils vont avoir des fights obligatoires dans les prochaines minutes avec la Soul. Derrière, ça enchaînera. En vrai, on peut avoir un Elder assez rapide dans la game. Il y a le Baron qui commence à être disponible. La compo BD, Rogue, pardon, est assez bonne pour le faire, avec une Kalista, un Baron Nashor. Je dirais pas que c'est une formalité, mais c'est quand même un objectif assez facile à récupérer et assez cure. Après, il y a ce Aphelios hein, du côté de Ice, mais encore une fois, il y a pas mal de spells à esquive, voilà, il doit s'avancer. Si tu te prends l'enchaînement de knock-up, tu peux rien y faire en tant qu'Aphelios. T'as plus ta Gale Force à l'ancienne, ce genre de choses. Pareil, l'ulti Gragas va être très menaçant et normalement utilisé sur ce Aphelios par Finn. Ils ont des outils tout de même pour le contrôler en late game. Des outils imparables, entre guillemets, pour Ice, bien qu'il ait une cleanse. On va voir dans 1 minute 40, mais au niveau des spikes, c'est largement pour les Rogues hein, pour l'instant. On a deux Seraphs complétés, deux items sur Gragas, deux items sur le Way, voilà, deux items Kalista. C'est vrai, avec les golds qui sont bien répartis, ils ont, comme tu l'as dit, juste 1500 golds d'avance, mais l'avantage en termes d'items dans l'inventaire. Et quoi de mieux à l'approche de ce quatrième Drake, ou même de ce Nashor. Après, je pense que d'ici 1 minute 20, on peut avoir un reset groupé et peut-être récupérer deuxième item, mais... Je pense que Nuke aura pas son deuxième item quasiment sûr. Peut-être que le Renekton là sur ce timing à la base, même pas, non, il est encore sur des composants. On va peut-être avoir un gros écart, hein. En sachant que Finn n'a pas encore proc son roi, ça saurait tarder encore 1 minute. Qui va prendre un level de plus. Ce sera le plus haut level de la game, mais il y a Larsen qui est déjà level 14. Et ça se dirige bot side pour tout le monde, ça veut récupérer ce dragon. On a aussi eu une téléportation de Nuke. Il semblerait que les BDS... ont envie de défendre l'objectif. Ah, ils ont quand même le Liandry de la Talia. Et je me dis que mine de rien, tu vois, si le Gragas fixe le Renekton, genre qu'ils se trade l'un et l'autre pour que personne TP avec Gragas qui peut cancel, ça peut être pas mal parce qu'en 4v4, sans le Renekton, j'ai du mal à voir les BDS gagner un fight. Hein. Les Talia et Aphelios vont juste se faire courir dessus par le Xin avec un follow-up long range de Renata, de Way. Ah non, alors, ça joue la TP, ça joue le 5v5. Adam a forcé le déplacement à pied. Et ça va régler les comptes dans cette river, il semblerait. 10 secondes avant l'apparition du Drake. Ça prend le push pour les Rogues, c'est très bien. Un petit peu en retard pour les BDS. Il y avait l'IE de Ice qui attendait à la base. Alors il vient de la récupérer, mais du coup il lui faut quelques secondes pour arriver. Les Rogues vont pas perdre de temps et j'ai l'impression pull ce Drake. Ils savent que Adam est sur la mid lane. Ils peuvent toujours turn sur le Renekton. Il y a Larsen qui va lui mettre un petit chunk. On est midlife hein, quasiment pour Adam. Ultima Okai. On va engage. Ça va sur la Brov qui va devoir flash out directement. Sa zone de chaque côté. C'est récupéré par le Maokai. On a évité le drame. Les Rogues qui restent bien soudés. Ça tente de l'engage. Intéressant cette phase de jeu. Ça va régène doucement au red buff. C'est large à l'avantage des BDS. Alors que personne n'est mort. C'est dingue avec une équipe pris en sandwich comme ça qui est. Pas de fight qui se déclenche, pas de kill. La BDS qui a récupéré Tourbot. Ils ont récupéré le dragon, tu l'as dit, on a réussi à bien smite pour Shio, donc on s'offre 5 minutes de plus. C'est un peu miraculeux, hein, parce que Adam se faisait complètement zoner par le Way. Ouais.
Bah ils s'en sortent bien. Ils s'en sortent très bien. Belle récupération de la part de Sheo, heureusement. Ah, on sent quand même que c'est plus... Ah, j'ai quand même l'impression que c'est plus les BDS du split dernier. On sent qu'il y a un petit peu cette... Ouais, bon après on... C'est l'équipe très dynamique. On est à la troisième game, mais c'est vrai que celle-là est peu rassurante. Bah surtout que c'est... contre Rogue quoi. Mm-hmm. Parce qu'encore contre, ouais, c'est contre ça, G2, évidemment. Je trouve qu'ils ont montré un bon visage, mais là contre Rogue, qui est censé être une équipe où tu te dis bon, c'est un peu tranquille. La draft est pas forcément si simple que ça à jouer non plus. Ce côté beaucoup dépendant des performances entre guillemets de ton Blitzcrank. Et pour l'instant, la Brov, même si on le sait, hein, très fort sur ce champion, a un peu du mal à trouver les opportunités. On joue très bien avec Zoélis qui se met devant et qui se fait ulti Kalista hein, au final. Bah, peut-être. Une opportunité sur comp, mais c'est peut-être Labrov qui va se faire punir. Oh, l'engage est offerte ici, Markoun qui a envie d'aller plus loin, on le sent, Zoélis, c'est flash très autoritaire ici sur Sheo. Est-ce qu'on peut aller chercher le kill? C'est le jungler, ça pourrait donner peut-être un match. Le clair de lune du Aphelios, c'est très très bon. Ice avec ses deux items qui commencent à cogner sur son Aphelios, et les BDS pourraient gagner ce fight, c'est en train ulti du côté du Gragas. Les rogues se font totalement repousser. Ce Aphelios, mine de rien, a bien évolué. Il a deux items actuellement, Robalas, et commence à cogner. Ouais, sa petite, avec son IE, ça fait la diff. Peut-être un peu deep de la part de Zoélis, ce flash-in. On a quand même bien enchaîné les CC sur Sheo. C'est très maîtrisé, malgré, j'allais dire, une paire de Mercure, mais pas du tout. Il a des lucidités. Il s'est fait bien contrôler, Sheo. Il n'a pas pu flash le wall. Mais on a réussi à trade avec un kill sur Zoélis. Deux kills, du coup. Les deux kills de BDS sont sur Ice. Le seul truc qui fait un petit peu défaut, je trouve, à la compo Rock, c'est que... Oh, attention ici au top, est-ce qu'on peut tenter? Il y a quand même bien tanky ce Renekton. Après, il y a des dégâts, hein. Gragas Way, ça envoie quand même pas mal. L'Ignite qui est balancé également, ça tente d'envoyer tous les spells, l'ultimate, mais le proc Sterak qui fait plaisir. Ils avaient pas vu le Sterak dans l'inventaire parce que fallait forcément finir par proc, on a mis l'Ignite. Mais je disais que le problème dans la compo Rock, c'est que ça devait vraiment passer par, ça doit vraiment passer par la Kalista à ce moment-là de la game, surtout que toutes les ressources sont sur compte, mais ils ont pas de réelles grosses frontlines. Enfin, tu vois, un Gragas, bon, il a beaucoup d'HP, mais un Gragas AP Xin, ça reste un petit peu léger, je trouve. Bah, il y a la garde circulaire du Xin qui peut permettre de donner du temps, mais oui, le Gragas, il se prend un ulti Maokai, il se prend un combo de Talia ou un stun Renekton. Avec Aphelios qui commence à distribuer. Hein. Ah, là, il commence à avancer vers Dominique. Ice, c'est un peu la porte de sortie pour les BDS, il est très bien dans sa partie. Pas d'erreur pour l'instant. Top farm de la game. Malgré quelques goals d'avance pour comp, qui, tu l'as dit, a beaucoup de ressources. Ça va vite aussi hein, au niveau du Nash. Avec Ice. Ah non, on sait que c'est lâché avec le trinket bleu. On va tenter de turn, on a un hook. Au fini niveau 16, il a peut-être un bon flank avec son Gragas, c'est le moment de briller. Et Markoun qui gagne beaucoup de temps. Allez, fini, il faut y aller. Il n'aura pas réussi à rentrer dans ce fight. Ah, on sent que dans il n'avait pas de flash, cela dit. Sur les timings ulti Renata. Avec les AOE de Wei, de Gragas, c'est pas facile pour la compo BDS. On tente, hein, on tente les hooks avec Labrov, mais c'est souvent lui qui finit par payer. Et c'est vrai que ce soit vis-à-vis de ce qui se passe dans les équipes, que ce soit vis-à-vis du format, on sent que les équipes sont terrifiées dans la game. Bah ça va vite, hein. 3 semaines, ouais. Que des BO1. Mais non, la game elle est très particulière. Hein. C'est rare d'assister à cela, mais bon. Avec les objectifs de ces deux line-up et ce qui se passe actuellement, et en plus du format. Bah deux équipes en 0-2. Hein. Donc là, il y a une de ces deux équipes qui va finir la semaine à 0-3, en sachant que c'est un tiers de ton split qui vient d'être joué, c'est dur. Ouais. On est un peu crispé, et comme tu l'as dit, ça se ressent pas mal dans la partie. Mais les deux équipes ont encore des portes de sortie dans cette game. Les Rogues semblent un petit peu en contrôle. Les Rogues ont la position au dragon qui vient de spawn, c'est la Soul. Hein. On rappelle pour les Rogues quand même. Je pense que les Rogues vont pas avoir peur. Hein. Vraiment, le Xin, on l'a vu dans le dernier fight, s'il se jette dedans, garde circulaire, Renata envoie tous ses spells, c'est très dur à manœuvrer pour les BDS, je trouve. Ouais, Ice a les bonnes armes quand même sur ce timing là. Donc, il conteste bien la wave au mid. Il a mis un petit poke sur Zoélis. Ouais, il pourrait faire ce qu'il veut. Ils vont tenter trade. Je pensais vraiment qu'ils allaient all-in. Et ça débute un baron Nashor, ça décide de la jouer différemment, mais c'est vu. Il y avait une ping dans le pit. Ouais, mais on essaye de forcer le contest de BDS au niveau du baron.
parce qu'ils avaient la position au niveau du Drake. Attention quand même, il y a les lances de Kalista qui commencent à se stacker sur le baron. Ouais, le potentiel sur le baron est faible avec Maokai aussi, c'est pas dingue. Du coup, ça essaye de forcer un fight, ça envoie tous les ultimates et là ça hésite. Et l'engage qui est très très bonne de la part de Finn, très bonne ulti avec Markout qui follow up. Et là, normalement, il y a la place pour que Comp et Wei puissent jouer. Mais attention, Aphelios qui est en vie, qui a mis beaucoup de dégâts, tout le monde est low HP. On y va, Comp qui a flash in, c'était un petit peu bizarre ce move. Et du coup, ils se font totalement reboot. Les rocks, que se passe-t-il dans ce fight? Roba là, c'est très surprenant. Et le grab, max range de la part de Lavrov qui va attraper Finn, le cancel de la part de Nuke, et c'est un kill en plus pour les BDS, toujours en chasse sur Zoelis. Mais ça semblait être free win ce fight pour les rogues. Il y a eu ce flash. Alors, il y avait beaucoup à track dans le fight, mais le comp vient de random la game. Oui, mais surtout que en plus ça s'est pas joué à grand chose, mais l'ulti Aphelios a pas touché. Et du coup, en n'ayant pas touché, ça semblait être assez tranquille. On tente un baron nageur. Il y a quand même un way. Hein. On va TP back pour Nuke. Je crois pas que ça a été vu. Et du coup, Larsen qui va se faire surprendre par la Talia. Il a pas de flash. Il a encore un flash. Il va être forcé de flash out. Du coup, on va pouvoir récupérer ce baron assez tranquillement. Il n'y a plus de vision. De Cheo, mais ça donne on aura sûrement un replay du fight. Mais ça semblait tellement free win pour les rogues, le fight. Ouais, le fight est inquiétant parce que le départ est incroyable. On a vraiment les deux mêlées qui arrivent à se jeter dedans, disperser tout le monde, créer de l'espace en mettant des dégâts. Mais il a flash. Du coup, on se disait, ouais, les combs vont clean up sans problème. Mais je pense qu'il se disait qu'il avait encore le truc de enfin, je vois que ça. Il se disait qu'il avait le truc de Renata et du coup, il pouvait trade sur le Aphelios. Mais ouais. Mais je pense qu'il tapait front to back. Il était. On va revoir. Hein. Enfin, c'est une bonne explication. Je pense que t'as raison. Hein. Je pense qu'ils vont nous mettre un replay. Là, on replay parce que ce fight est. C'est le tournant de la game. C'est le premier vrai fight de la game, vraiment déterminant. Petit replay ou... Bon là les BDS sont en contrôle forcément avec un baron Nashor sur il me semble 3 ou 4 personnes. 4 personnes. C'est vrai que si on n'a pas le replay sur le seul moment de, on va dire, notable de la game, c'est quand même un peu sad. D'accord, donc le replay arrive dans 30 secondes. Okay, on a un peu le temps. On va voir les T2. Petit combo sur Markoun quand même, attention. Markoun qui chill, hein. Il met ses gardes circulaires quand il a 20 HP, il va même. Il est rentré dans l'ultime, ok. Oh, attention, là c'est un peu compliqué, l'ultimate de Renata un peu en mode panique. Et Ice qui a failli one-tap son support. Oui, s'il l'avait tué, ça aurait vraiment été mais ridicule pour le coup. Littéralement, le Xin a continué de courir dans l'ultime Maokai, donc il a quand même pris, donc il a été forcé de garde circulaire. Derrière... Oh, le replay. Ok. Il faut s'arrêter dessus. Bah, en fait, les BDS... le seul moment notable de la game. Alors... Ils mettent un ulti Maokai avec un bon ulti Talia, j'ai l'impression qu'ils sont enfermés. Mais on n'a pas hésité une seconde pour les rogues, on s'est projeté dans la compo. Ah, y a un très bon flank de Finn qui a flash in le Aphelios, qui est obligé de flash out. Donc là, le fight paraît plutôt pas mal avec les AOE. Et là, la comp, il peut taper. Je n'ai aucune idée de pourquoi il vient de flash in. Genre, il a tué un mec en mêlée. Et derrière, il a été genre flash in. Le fight est juste ça. Ce qui carry pas trop mal aussi, c'est la pression que met Nuke en étant bien sur le côté avec un joli ulti Talia. Parce qu'on n'a pas vu de très bonne utilisation de l'ulti Talia. Et honnêtement, Nuke essaye un max dans cette game. Mais je n'ai aucune idée ce qu'il fait. Ultimate Maokai. Attention, Markoun qui va tout simplement se faire one tap. Bah, il n'a pas sa garde circulaire. Il l'a claqué sur le move précédent. Ce qu'on vient de prendre. Et là l'ultimate est très bon de la part de Nuke. Les rocks sont cuits avec la dalle qui est excellente. Très bonne poussée. Et le clean-up qui devrait suivre avec Adam, le crocodile monumental qui va juste slice les adversaires pour une fin de game BDS. Un fin de game en un team fight au baron Nashor, je n'ai pas trop compris. Rogue semblait être en contrôle, ça semblait être plutôt tranquille, c'est eux qui ont décidé de start ce baron. On savait que ça allait venir contest, on avait le flank du Gragas. Le fight semblait assez bien orchestré et bah on s'est perdu pour comp. Et puis honnêtement, Markoun, je vais le dire, mais je le trouve marketeur. Non, mais je le trouve suspect sur la game. Il y a beaucoup de choses bizarres dans la partie. Je pense vraiment que c'est dû à, oui, bah, le stress, à la peur de cette game. C'est évident vis-à-vis du format et de ce qui se passe dans ces équipes. Mon Rogue, ça fait un moment, mais ce start 0-2 a pas fait du bien pour les BDS. Au moins, ils débloquent le compteur là-dessus. Après, ils vont pouvoir travailler avant la prochaine semaine en étant un minimum rassurés. Parce que s'ils avaient été en 0-3, je pense que ça aurait été dur à tank pour le collectif. Tout de même. On verra. C'est vraiment pas dans leur standard. On verra les messages, mais je suis pas forcément sûr qu'ils soient si rassurés que ça. En vrai, je trouve qu'ils ont pas montré un visage
giga insane. Ah, ça fait quand même peur, hein. je suis d'accord, mais connaissant les BDS, connaissant ce qu'ils sont capables de faire, je pense que la semaine va faire du bien. Il y a juste eu un petit raté, mais heureusement qu'ils ont emporté celle-là. En tout cas, ouais, une game très particulière. Ça t'a fait plaisir de commencer par cette première game pour ton retour en LEC? Bah, ça m'a mis plutôt bien, game assez intéressante. Mais le format veut que on est stressé en BO1, forcément. Il n'y a que 9 matchs à jouer. En tout cas, on va en parler dans un instant avec Chips et Tréton. Je suis très curieux de savoir ce qu'ils veulent dire concernant cette partie qui était assez bizarre. Ridicule.